Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo derrière la caméra. Bon, il y a Lia, il y a la belle-sœur qui est en train de préparer les devoirs de sa fille et il y a votre tonton devant vous. Bon, je voulais vous expliquer un truc parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Juste avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas, il y a mon clip La Cuenta qui est sorti sur JMT. Elle est en train de faire un carton, que ça soit en streaming ou que ça soit même sur la chaîne donc du coup JMT. Et ça fait extrêmement plaisir. Elle est en train de marcher aussi bien que mes autres musiques qui avaient super bien marché, c'est-à-dire Billet Vert. Et Le Carré, elle a fait à peu près pour la même heure que, elle a fait à peu près 20 000, 30 000 vues de plus à la même heure que. Donc vraiment, c'est un bon petit carton. C'est un truc que vous attendez depuis un moment et elle est sortie. D'accord ? N'oubliez pas, pour ceux qui veulent précommander l'album, c'est en description. Voilà, n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Pour ceux qui voudraient écouter La Cuenta, ça sera en description aussi. On compte sur vous, c'était un bon clip. Un clip tourné avec le cœur, les tripes, et vraiment un clip plein d'humour. Il y a Momo dedans, il y a le bof dedans, donc régalez-vous bien, sans description, ça sera le premier lien. Voilà, ça sera le premier lien. Bon, on voulait avec Lia vous annoncer un truc important, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Je dirais même que 99% d'entre vous, vous n'êtes pas au courant. Il doit y avoir qu'un pour cent, et encore 1% d'un million, pardon, de 3 millions d'abonnés. Ça reste beaucoup, parce qu'il y a vraiment une petite minorité qui est sur mes live mixeurs qui sont au courant. Avec Lia, comme vous le savez, on a livré, donc du coup avec mon manager Kawet et tout, on a livré l'album il y a à peu près 2 mois. Voilà. Donc il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on avait tout fini. Sauf qu'il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, vous l'aurez deviné, on était ensemble. Voilà. Forcément. Et donc, on a fait un truc pour vous, avec Lia, qui sortira. Et donc pour ceux qui vont se dire, ouais mais je comprends pas, ils sont plus ensemble, mais ils ont sorti un truc ensemble. Alors oui, c'est normal, la livraison d'un album, elle se fait pas sous une semaine ou deux. Quand vous voulez, et quand vous êtes avec une maison disque, un album, ça se livre 1 mois et demi avant, voire 2 mois, de préférence pour qu'il puisse vous placer dans ce qu'on appelle des playlists, et qu'on puisse surtout organiser chaque musique, d'accord? Donc voilà, il y aura un truc de Lia et moi qui sortira dans l'album, que vous allez très très bientôt entendre. Ça a été fait avec le cœur, comme on l'a dit, avec les tripes à ce moment-là, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, mais on voulait en parler un petit peu pour que vous ne soyez pas forcément choqués. Lia, tu veux peut-être dire un truc, tu veux peut-être en placer une quand même? Bah après oui, comme on a dit, c'est quelque chose qui a été fait avant et donc c'est pas possible de l'enlever. De l'enlever, déjà en fait, même si c'était possible de l'enlever, j'enlèverai pas. Parce qu'au moment où on l'a fait avec le cœur, on l'a fait avec tout ce qu'on avait et on doit pas enlever quelque chose qu'on a créé. Tu vois, pour moi, voilà, c'est comme ça. Après, tu me dis ce que t'en penses, toi, belle-sœur, mais... Non, moi, je suis d'accord. Pour moi, voilà, c'est comme ça. Et c'est authentique, donc... Voilà, ça a été fait avec le cœur, tout voilà. À fait. Oui. Donc, quelque chose d'authentique, même si les personnes ne sont plus ensemble, ça reste. Exactement. Voilà. Un jour, c'est pas parce que tu tournes un film avec quelqu'un, ou une actrice, tu sais, un film, par exemple, au bout d'un moment, quand ils se sont rencontrés sur le tournage, je sais pas moi, tu sais comment elle s'appelle... Regarde, un exemple. Madame et Monsieur Smith. Voilà, Brad Pitt en Angelina Jolie. Madame et Monsieur Smith, tu vois, ils ont fait le film. Ils sont plus ensemble. Pourtant, dans le film, ils sont embrassés parce que les films ont tourné avant. Oui. Mais ils vont pas supprimer un film parce qu'ils sont plus ensemble. Exactement. C'est comme ça. Bah, voilà. Si on part de ce principe-là, La Cuenta, elle aurait dû même pas sortir. Hein. Exactement. Oui, bah oui. Bah oui, parce que La Cuenta, ça avait été fait pour toi. Du coup. Voilà. Oui, mais après, voilà. Il faut mais La Cuenta, en fait, après, c'est la musique, ça reste assez universel parce que je l'ai fait pour toi, mais une personne qui va l'écouter. Ça va être pour elle aussi. La personne, le mec, il va l'écouter, il va penser à sa meuf, tu vois. Et la meuf qui va l'écouter, elle va penser à son mec qui, voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que la musique, c'est tellement beau et c'est, ça reste universel. C'est qu'en fait, la musique, ça touche tout le monde. Parce que tout le monde, dans une musique, se voit. Voilà. Donc cette partie-là de l'album, déjà, de 1, on ne peut pas l'enlever. Voilà, c'est dans l'album, on ne peut pas l'enlever. Et de 2, même si on pouvait l'enlever, je ne l'aurais pas enlevé parce que je regrette rien de ce qu'on a fait avec Lia. Et je pense que vous aussi, vous l'aimez beaucoup, votre tata, et voilà. Tout reste identique. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo avant que l'album sorte. Et avant que vous soyez en mode, what the fuck? Ils nous ont dit qu'ils sont plus ensemble, mais putain, ils ont fait un truc. Bref, voilà. En tout cas, on voulait vous tenir au jus à ce niveau-là. Un truc à rajouter? Non. Ok. Alors, je voudrais juste vous mettre vraiment 5 secondes pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est. Mais vraiment 5 secondes. Allez, comme ça, vous avez un petit truc. Mais vraiment 5 secondes. Hein. Vous allez rien entendre, hein, rien, mais juste vous... Que vous ayez une idée. Alors attends. Touk, touk, touk. Voilà, c'est ça. Salut mon cœur. J'espère que tu vas bien. Écoute. Voilà.
Dis-moi. Vous n'en saurez pas plus. Vous n'en saurez pas plus. Voilà. Bref, en tout cas, vous verrez ça en temps voulu. Voilà. À très très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et voilà, je voulais vous tenir au courant à ce niveau-là. Et puis j'espère que les vidéos qu'on fait en ce moment avec le bof et tout ça vous font rigoler. Voilà. Prenez soin de vous et de la MIF. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est juste sortie avant. Momo a encore fait une grosse merde. Ouais, il a encore cassé quelque chose. Si tu connais Momo, bref, vas-y. N'hésitez pas à aller la voir. Et bon visionnage pour ceux qui iront voir aussi la Quenta. En vous souhaitant un bon clip et en vous souhaitant un bon visionnage aussi. Et dans le clip, au bout d'un moment, si j'ai une grosse tête, c'est normal, c'est des effets qui font beaucoup States. Et on a voulu le rajouter dans mon clip. Voilà. Donc vous verrez bien, vous me dites ce que vous en pensez. D'accord? Bon visionnage. Prenez soin de vous de la MIFA. Ciao tout le monde.